Chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube de Sauvelmash. Je suis Alexandre Soudarev. Nous sommes sur le chantier, ou plutôt dans le bâtiment du BTUI Sauvelmash. Je me tiens sur une couche protectrice qui a été coulée en une journée. Je voudrais noter qu'il s'agit d'une surface assez grande et on peut à juste titre l'appeler le plan le plus grand où les travaux de béton n'avaient jamais été effectués auparavant dans le bâtiment. Félicitations. Ensuite, le renforcement de cette surface et le coulage de la dernière couche de béton seront effectués. Les travaux préparatoires pour effectuer le renforcement du sol du rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique sont terminés. Nous attendons maintenant une pompe à béton qui devrait bientôt arriver et couler la couche de finition dans ce secteur. Je regrette, mais dans cette vidéo, nous ne pourrons pas vous montrer ces travaux, car nous voulons préparer ce reportage avant l'émission Temps d'experts. Pourtant, dans les vidéos suivantes, nous vous montrerons les résultats dans ce secteur. En tout cas, les travaux ont déjà commencé et je pense qu'ils seront réalisés avec succès. Nous allons vérifier cela dans notre vidéo suivante d'ailleurs. En général, un grand nombre de travaux sont effectués en permanence. Les préparatifs sont particulièrement en cours pour couler la rampe de béton qui se trouve à l'arrière du bâtiment. Ensuite, avec l'aide de cette rampe, on pourra effectuer le chargement et le déchargement des camions qui livreront des matériaux et emporteront les produits finis de chez Sauvelmash. Les ouvriers préparent également un terrain sur lequel des fondations en béton seront coulées pour l'installation de systèmes climatiques. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce terrain dont on vient de parler. Le voilà. Le balisage y a déjà été fait. Cela signifie que nous avons déjà commencé les travaux de viabilisation. Sur ce terrain, les travaux de forage seront d'abord effectués. Ensuite, des tuyaux seront montés. Par la suite, dans ces tuyaux, on installera des barres d'armature. Puis le béton sera coulé. Et d'autres profilés renforcés seront posés sur cette structure. Ensuite, la plateforme elle-même sera coulée toujours avec du béton pour pouvoir y installer un important et très grand équipement. Les travaux de construction des cloisons intérieures du deuxième étage se poursuivent. La construction de locaux techniques se poursuit également et des travaux préparatoires sont déjà en cours pour commencer l'installation de cloisons intérieures du rez-de-chaussée. Il s'agit d'un événement très attendu d'ailleurs. Une fois que les cloisons seront montées, de nouveaux fronts de travaux s'ouvriront pour nous. Nous nous occuperons des travaux de mise en service, des travaux de finition antérieure et bien d'autres types de travaux. En outre, nous avons déjà commencé les préparatifs pour la connexion d'un système de chauffage temporaire.
Bientôt, nous pourrons parler d'événements plus chauds qui se produiront dans la vie du projet. Nous vous tiendrons au courant. Suivez nos nouvelles, cliquez sur « J'aime » car grâce à cela, cette vidéo tombera dans la catégorie des recommandations et par conséquent, encore plus de gens pourront apprendre ce que nous faisons ici. Merci de votre attention et à bientôt.